commence. Monsieur le directeur général, nous venons aujourd'hui assister à l'inauguration ainsi qu'au lancement du service informatique de la gestion de flux de migration. Quel est l'impact de ce service au sein de la DGM? L'impact au sein de la DGM, je pourrais dire non, mais l'impact pour l'ensemble du pays, parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde moderne. On ne peut pas contrôler le flux migratoire sans cet instrument. Donc l'impact est très positif et on compte l'améliorer pour l'avenir. Et quels seront les avantages techniques de ce service? Les avantages techniques de ce service, d'ailleurs bientôt la manifestation va commencer. Nous avons toute une direction de documentation et informatique dont le directeur central sera vraiment en mesure de vous expliquer l'entièreté de cet instrument. Monsieur le directeur, on s'étonne quand même que le lancement ait eu lieu aujourd'hui alors que la DGM aurait dû informatiser la gestion de toutes les migrations. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Mais non, à chaque chose une étape. Ce n'est qu'une première étape. Et donc le moment est venu pour nous approprier de ces matériels-là. L'occasion nous est donnée pour en avoir. C'est ça que nous lançons ça aujourd'hui. Peut-on se dire qu'avec ces services, il y aurait moins des irrégularités dont on parle souvent? Ce n'est pas qu'il y aura moins des irrégularités. Je prends l'exemple, les États-Unis qui sont un pays vraiment sophistiqué. Ils n'arrivent, malgré les moyens électroniques et informatiques qu'ils ont, ils n'arrivent pas à contrôler l'entièreté de leurs frontières avec le Mexique. Donc, toutefois, à plus de 70%, nous arriverons à faire quelque chose de très positif. Il y aurait quand même moins de problèmes. Très moins de problèmes. Thank you.
Gardez vous immobile. Son Excellence, Monsieur le Vice-ministre de l'Intérieur, représentant personnel du ministre de l'Intérieur en PC, Son Excellence, les officiers de migration de l'aéroport international de Ndjili sont rangés pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de l'informatisation de leurs services. Ici, à l'aéroport international de Ndjili, devant vous, l'officier de migration, l'inspecteur François-Xavier Kekemba Ngwey. Monsieur le Président délégué général de la RVA, Monsieur le Directeur Centraux, à l'occasion de l'inauguration et du lancement de ce projet d'informatisation, autorisation de leurs excellences, nous serons appelés à honorer la nation en chantant l'hymne national. Après l'hymne national, la parole sera accordée au directeur de l'aéroport pour son mot d'accueil et de bienvenue. Après le mot du directeur de l'aéroport, la parole sera confiée au président délégué général de la RVA pour la remise des box à la DGM. Bien après cela, le directeur de l'informatique et documentation procédera à la présentation des avantages de l'informatisation des services. Ce n'est qu'après que nous allons procéder finalement. Nous allons écouter les mots de remerciement du directeur général face aux autorités qui nous ont rendu visite. Et après, nous allons inviter l'excellence à une visite guidée. Bien après, la direction de l'aéroport s'est bien préparée pour vous offrir son cœur. C'est-à-dire, bien après, il y aura un cocktail qui était prévu. Pour leur excellence, avec votre permission, je vous conviens à chanter l'hymne national. Présentant le ministre de l'Intérieur en péché, Monsieur le Directeur Général de la DGM, distingués invités, Mesdames, Messieurs, au nom du Directeur Général de la DGM, de tous les cadres et agents de la DGM, État-major et aéroport de Ndjili, je me fais le devoir de vous souhaiter la bienvenue dans ces postes frontières de l'aéroport international de Ndjili. C'est pour nous un grand jour, Excellence. En effet, l'informatisation de nos services, depuis que notre République est République, était jusque-là un leurre. Mais aujourd'hui, le rêve est devenu une réalité grâce à la volonté affichée
par la hiérarchie de la DGM. Cette année est particulière pour la DGM en particulier et la DGM aéroport d'Ndjili en général. En effet, cette année, l'aéroport d'Ndjili a connu tour à tour des missions des experts extérieurs français et américains qui, à la fin de leur visite, ont émis le vœu de voir les services d'immigration informatiser leur gestion des flux migratoires. Cette année, les officiers de l'aéroport d'Ndjili ont également suivi une formation en matière de sûreté aéroportuaire. Ils ont ensuite suivi une formation pour la détection des faux documents, respectivement à l'ambassade du Canada et à l'ambassade des États-Unis. Grâce à la volonté des autorités, les services de migration de l'aéroport ont également suivi un séminaire sur la lutte contre la drogue et les trafics de stupéfiants. Tous ces efforts ont été relayés par le décret présidentiel limitant le nombre de services habilités à opérer dans les postes frontaliers, notamment à l'aéroport d'Ndjili. Et aujourd'hui, comme pour assumer notre mission telle que nous assignée par les instances supérieures, la DGM aujourd'hui se voit entrer dans le concert des grands services de migration à travers le monde en informatisant son système de gestion des flux migratoires. Nous voudrions ici, au nom de la Direction générale, remercier les autorités de la RVA qui ont bien voulu nous accompagner dans cet effort en finançant la réfection des travaux de réaménagement de nos boxes dont vous assurez aujourd'hui l'ouverture. Nous voudrions également remercier la Direction générale qui ne ménage aucun effort pour que l'aéroport d'Ndjili reste et soit effectivement le miroir de la République. Notre souhait de voir les autorités, les officiers de migration de l'aéroport d'Ndjili saisir cette opportunité pour qu'effectivement la DGM aille de l'avant, est-ce de gage de ses antivaleurs et que, effectivement, elle soit les porte-étendards de la République en harmonisant nos rapports avec les autres services membres de la communauté des renseignements, en humanisant nos rapports avec les usagers de l'aéroport. De cette manière, nous saurons répondre aux attentes de la plus haute instance nationale du pays. Vive la Direction générale de migration, vive la Régie des voies aériennes, vive le gouvernement de la République, vive la République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie. La présence de Son Excellence, Monsieur le Ministre des Transports, de Son Excellence, Monsieur le Vice-Ministre de l'Intérieur, qui est notre tutelle, qui représente le Ministre de l'Intérieur empêché, je n'ai pas de mots à dire. Tout ce que je peux dire, nous devons être fiers de l'histoire de notre pays, quand notre héros national, Musée Laurent Désiré Kabila, nous avait dit « Organisez-vous et nous n'avons pas droit à nous désorganiser. » Tout ce que je peux vous dire est que tous les services confondus à l'aéroport international de Ndjili de respecter le décret du chef de l'État déterminant le fonctionnement de services aéroportuaires comme dans tous les pays du monde. C'est vrai, nous ne fabriquons pas les fusées, les avions, mais sur le plan administratif, nous devons nous mettre sur le même pied d'égalité que les Américains, que les Français, que le reste du monde. Respectons-nous, que chacun puisse respecter ses attributions. Ne vous disputez pas, nous ne formons qu'une seule famille. Tous les services à l'aéroport d'Ndjili, c'est comme un être humain. L'œil, les yeux, l'oreille, donc chaque partie du corps a son rôle à jouer. Respectez-vous et cet instrument, que cette frontière avec ce moyen moderne soit vraiment une frontière sans penser aux frontières des autres pays.
Nous sommes des hommes capables, c'est-à-dire, ça doit être pour nous un moyen de déterminer notre capacité de savoir faire. Tout ce que je peux vous dire, les autres en ont déjà parlé, et certainement, l'excellence ministre des Transports est présent, l'excellence vice-ministre est présent, vous diront le mot vraiment de la clôture, c'est-à-dire le plus grand conseil viendront de nos excellences. Je vous remercie pour un bon comportement dans le travail. Merci. Avec les ambassades, soit pour le refoulement, soit pour le départ, en tout cas, cela fonctionne déjà très bien. Interventions qui venaient de passer. Une fois le passager traverse, personne dehors ne peut plus savoir ce qui se passe. Si nous évitons le coup de téléphone, comme tout ça, parfois, parfait. La porte d'une maison, quand nous dormons, c'est la première des choses à laquelle nous pensons. Il faut avoir la clé, être sûr que cette clé a été posée et qu'on l'a fermée. Je me permets d'user de cette image pour dire ce à quoi je venais d'assister tout à l'heure, constitue, monsieur le directeur général des migrations, ce qui convient d'être appelé la clé posée sur la porte. Et que la haute hiérarchie, en vous confiant ces clés de cette porte, c'est un privilège, si pas une bénédiction, vous devez vous assumer. Le monde aujourd'hui, c'est un village planétaire, dit-on. Si nous voyons ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce qui nous dit que nous pouvons être épargnés? Vous avez de lourdes responsabilités. Ce bel exemple que nous venons de voir, à travers la collaboration qui existe entre RVA et la DGM, ne peut que recueillir, n'est-ce pas, notre entière satisfaction. Mériter de la confiance que la haute hiérarchie a placée en vous. Souvent, quand on parle DGM, ce sont des tracasseries. Quand on parle DGM, surtout pour ceux-là qui viennent de l'extérieur, imaginez-vous quelqu'un qui vient d'un long voyage, 10 heures, dans un avion. Dès qu'il arrive, c'est la sécurité qui l'attend. Hélas, à l'entrée, ce sont des tracasseries de tout genre. Nous les avons vécues. Mais quand on assiste à l'effort que vous êtes en train d'entreprendre, pourquoi ne pas vous féliciter et vous dire courage et persévérance. Nous héritons d'une longue tradition basée sur les insécurités, sur les tracasseries, mais à voir quiconque a vécu dans ces pays,
beaucoup de choses ont changé. Et vous méritez toutes nos félicitations. Donc, tenez bon, allons-y de l'avant. N'est-ce pas, comme vous l'avez si bien souligné, nous devons nous organiser. C'est un testament que Mouzé nous a légué. Nous devons nous organiser. Voilà un bel exemple de cette organisation. Courage, persévérance, soyez positifs, mais l'essentiel, c'est de conduire pour la victoire finale. Et en sachant aussi que dans l'après-temps, il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup de difficultés, mais l'essentiel, c'est la persévérance, c'est de viser les caps, et je crois la détermination que vous caractérise à travers ce que nous venons de voir nous rassure que vous irez jusqu'au bout. Sinon, au nom de son Excellence, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, je ne peux que vous féliciter, je ne peux que vous encourager et nous vous accompagnerons, soyez-en rassurés, sur cette longue voie que vous avez entreprise. Et je vous remercie. Voilà. Le ministre de l'Intérieur, monsieur le directeur général des migrations, monsieur le commandant d'aéroport, je suis vraiment heureux de participer à cette cérémonie parce que, comme vous le savez, l'opinion en général pense que quand quelque chose ne marche pas à l'aéroport, c'est moi qu'on regarde d'abord, le ministère des Transports et Communications. Or, un aéroport comme celui-ci abrite d'autres services donc, qui sont appelés à venir y travailler puisque c'est un aéroport international. Voilà qu'aujourd'hui, l'un de ces services donc, vient de se doter d'un équipement qui va permettre, comme son Excellence, monsieur le vice-ministre venait de le dire maintenant, d'améliorer les services de migration donc à notre aéroport international. Et je suis sûr que les félicitations, les encouragements, la satisfaction que les voyageurs auront d'être bien traités, donc ces félicitations me reviendront également. Parce que, comme on dit, donc pour tous les points frontaliers, donc, le bailleur que je suis, donc, je subis le même sort que le locataire quand donc, les passagers, les voyageurs doivent nous juger. Donc, je suis très content aujourd'hui que l'un de mes locataires puisse donc s'équiper pour pouvoir donc, travailler de manière moderne afin que nos passagers puissent trouver satisfaction quand ils passent à travers notre aéroport. Et d'ailleurs, du point de vue du gouvernement, cette réalisation répond aux instructions du président de la République. Comme on l'a si bien rappelé tout à l'heure, donc il y a le décret numéro 036/2002 qui a fixé le nombre de services autorisés à travailler aux frontières et à la fin de ce décret, il a été demandé au ministre des Transports, au ministre de l'Intérieur, en fait, au ministre de tous les services qui exercent la tutelle, de tous les ministres qui exercent la tutelle sur les services autorisés, il leur a été demandé d'appliquer ce décret. Donc aujourd'hui, là, je suis content que du côté du ministère de l'Intérieur, ils sont en train donc d'appliquer le décret. Bon, maintenant, il va falloir que les autres ministères puissent également faire de même, notamment du côté de l'OFIDA, afin que également de ce côté-là, les choses puissent se faire normalement telles que nous les voyons ailleurs. Donc vraiment, je vous dis qu'aujourd'hui, je suis satisfait donc, de ce que nous venons de voir de la réalisation. Et comme c'est de notre devoir, en tant que bailleur, de mettre à la disposition du locataire les infrastructures qu'il faut, je voudrais également féliciter la Régie des voies aériennes pour ses efforts. Et comme le vice-ministre l'a répété tout à l'heure, donc il y a des choses que nous pouvons faire nous-mêmes. Donc sur base du testament que Mouzé Laura Désiré Kabila nous avait laissé. Et ça, effectivement, ce sont des petites choses que nous pouvons faire nous-mêmes. Et j'encourage donc la Régie des voies aériennes et je lui demande de poursuivre puisqu'il y a encore beaucoup de choses à faire ici dans notre aéroport international d'Engil.
Je vous remercie. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous faites à la DGM? Je suis officier d'immigration, je travaille partout. Parfois je suis dans des bosses, parfois je suis au salon officiel pour détecter les documents, quoi. Oui, donc vous êtes aussi au service de la documentation ou juste contrôle des documents? Juste contrôle des documents. Et okay, aujourd'hui, comment recevez-vous l'inauguration de votre service d'information? En tout cas, aujourd'hui, c'est une grande journée ici à l'aéroport parce qu'avec cette informatisation, on va commencer à nous prendre au sérieux, quoi. Parce qu'il y avait des étrangers qui passaient et qui nous demandaient pourquoi vous enregistrez des gens seulement dans des cahiers. Partout, il y a des services d'informatisation, mais ici, chez vous, hein, sur tous les blancs, il s'est moqué vraiment de nous. Et comme notre DG, il s'est décidé, il a montré cette volonté-là de nous mettre le service d'informatisation ici à l'aéroport. Nous sommes vraiment contents. Est-ce qu'on peut remettre en question aujourd'hui tous les services que vous avez réalisés jusque-là parce qu'il manquait justement le service d'informatisation? Ah oui. Vous constatez qu'il y a eu quand même des irrégularités et que vos résultats n'étaient pas fiables? Non, c'est pas ça. On fournissait vraiment beaucoup de fraudes. On fournissait vraiment beaucoup de forts malgré la manque de ce service. On fournissait beaucoup de forts pour finaliser notre service. Aujourd'hui, le service sera quand même amélioré. Oui, je l'espère bien. Formatiser la gestion des documents chez la DGM. L'idée, c'est le modernisme. Là où nous voyageons, ce que nous vivons, ce que nous voyons ailleurs, et nous disons que la DGM aussi doit être comme ailleurs. Donc, ce n'est pas une idée nouvelle. D'ailleurs, le directeur est là, on a été revu aux Pays-Bas. On vient de revenir il n'y a pas longtemps avec une autre délégation de directeurs et Saïdi des Pays-Bas. Donc, c'est-à-dire, l'idée, c'est de faire de notre pays un pays moderne. Et on constate beaucoup de réalisations actuellement à la DGM, notamment le centre médical en construction et le bâtiment de la DGM en ville. Il y a également aujourd'hui une inauguration du centre informatique. D'où provient le financement? Le financement, c'est le moyen de bord. Organisons-nous et non de se désorganiser. C'est tout. Moyen de bord. Les moyens de bord sont suffisants? C'est suffisant quand on s'organise. Et nous, nous organisons. Ok, merci. Allons, vous tous.